First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexable Life video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexable Life video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexable Life video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexable Life video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available.
Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexable Life video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexable Life video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexable Life video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexable Life video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice.
Et bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue pour le premier Academia Dexibol. Je m'appelle Ralf Schink. And that's it with my French at this moment. So my name is Ralf, and I'm broadcasting from Berlin, Germany, tonight to France. So bienvenue. And because my French language is not so great, I would like to invite my colleague from France, Monsieur José Sousa, for the... Salut. Salut José, ça va bien? Très bien, et toi? D'accord, ça va très bien, merci beaucoup. Et José will help me with the translation of everything I'm saying and doing from English into French. So merci beaucoup, José, for being merci with us tonight. And so without further ado, we will talk about today's subject. And today's subject is Dexibol, the acoustic piano library. So you have seen me using the Italian grand piano in this opening video, so here it is. And on my desk, I'm using today the Vivo S9 flagship instrument. Alors aujourd'hui, nous allons parler des banques de sons de piano. Et aujourd'hui, Ralf va pouvoir jouer sur le S9 Vivo, donc le stage piano. Et comme il a pu le montrer, il était sur un Italian piano. And of course, for getting more information about our Dexibol instruments, you can visit lazonedumusicien.com. Donc, si vous voulez avoir la gamme, si vous voulez avoir plus de renseignements sur les pianos, quels que soient les pianos Dexibol, vous pouvez aller sur lazonedumusicien.com. C'est LZDM. And again, today on the table is the Vivo S9, our flagship. Alors aujourd'hui, nous avons le Vivo S9. Donc c'est un piano, c'est un stage piano qui est notre piano phare. Right, and of course, you can always also go to the Dexibol official website to gather information about our instruments. And also to get the latest operating system, and also to be able to download from our sound library all the sounds that we have. And they are all for free, and they are possible to install in all our instruments. Bien sûr, vous pouvez aller sur le site de Dexibol pour avoir plus d'infos concernant tous les autres pianos claviers Dexibol, mais aussi toutes les spécifications, tous les téléchargements. Et donc, entre autres, les téléchargements sont aussi pour les téléchargements gratuits de nouveaux sons, que ce soit les pianos et les autres instruments proposés. And today, in the first song I played, you were listening to the Italian grand piano, a beautiful piano sound. Donc là, aujourd'hui, ce que vous avez entendu en premier lieu, ça a été un Italian piano, donc un piano italien. C'est ce que vous avez entendu et c'est ce qui va justement continuer à jouer. C'est un joli son. Well, the Italian piano somehow brings me always in this kind of romantic mood, and it sounds just beautiful. But now, without any further ado, let's dive into the Dexibol sound engine, which is called T2L, True to Live.
Alors, bien sûr, l'Italian Piano met Ralph dans une humeur romantique. Et du coup, il va pouvoir justement basculer sur la technologie qui s'appelle T2L, qui veut dire True to Life. Donc, il ressemble à la réalité, si on doit le traduire en français. Et donc, il va pouvoir vous parler de ceci. So let's have a closer look into the T2L editor. And for doing this, I'm changing the sound to the Dexibel signature sound, which is called the Vivo Grande. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et bien sûr, pour commencer, on va rentrer en fait dans le premier son quand on allume l'appareil et le son de piano qui est, on va dire, le piano embarqué, qui s'appelle le Vivo Grand. Donc, on va commencer avec celui-ci. And in this example, I completely switch off any effects. There is no reverb, there's no equalizing, so you're listening to the pure sound. Alors, bien sûr, quand il va jouer directement sur ce piano-là, il n'y a pas d'effet, donc pas de reverb, pas de reverb, ni aucun autre effet. Juste le son que vous allez entendre, c'est le son du piano pur. So I'm starting with some staccato notes. Alors, on va commencer avec des notes très brute. I think staccato is this. I just have to keep that up. Is that international staccato? Is there? Oui, staccato. I don't know. Anyway, even in German, it's called staccato with a different accent. But here we go. Okay, let me play some staccato notes. So what you're listening to is the resonance is in the grand piano, which also we tried to capture. So one more time. And you can hear this ringing, which is typical for a grand piano. So we call this the staccato resonance. And now let's go into the T2L editor. Alors, ce que vous avez entendu donc, pendant que Ralph faisait le staccato, c'était en fait cette petite résonance, ce qu'ils appellent staccato résonance. Et on entend une sorte de petit résidu dû au staccato. Donc là, il va rentrer dans le True to Life pour pouvoir vous montrer un petit peu les différences. And here you can see the parameters hammer noise, key off noise, damper noise, string resonance and damper resonance. Donc là, il va pouvoir vous montrer les différents thèmes dans True to Life, donc les différences au niveau du toucher, c'est-à-dire le son du toucher, donc la remontée et l'enfoncement, le son et le son des pédales, le son, on va dire, des cordes. And I will start with just changing the volume level of the hammer noise. Donc là, il va commencer à changer le volume du son ou du bruit des marteaux. So very, very easy to hear. Increasing makes the sound more profound, more hard. Decreasing makes it a little softer. Donc, on entend très aisément et très facilement la différence qu'il y a quand il augmente le volume du bruit des marteaux. On sent que le son est beaucoup plus dur. Et quand il baisse à son maximum, on sent que le son est complètement disparu et on entend juste la mélodie du piano, mais sans avoir la percussion. And the key off noise is when I release the note. And this is the typical noise which is inside the grand piano mechanics. Donc le key off noise, c'est ce qu'on entend en fait avec la remontée des touches, et c'est le son typique qu'on entend dans les pianos à queue lors de la remontée mécanique des marteaux. Then the next component of the T2L sound is called damper noise. Donc le prochain point, c'est le son qu'on entend au niveau des pédales, donc le bruit des pédales. And let me briefly explain, at Dexibel, our pedals are continuous, so it's not just switching on and off. They go, like in the acoustic instrument, they go in a continuous way. Alors là, il faut bien expliquer que chez Dexibel, donc quand on a la pédale qui est branchée, c'est une pédale progressive. C'est pas juste on/off, c'est pas juste on appuie, ça se déclenche, on enlève, il n'y a plus rien. C'est vraiment progressif.
So let me give you, I push very hard the pedal now. Alors là, on vous montre quand il appuie très dur sur la pédale. And you can hear that typical noise that you will hear in front of an acoustic grand piano. Donc c'est ce qu'on entend quand on appuie. En fait, le son, le bruit qu'on entend, c'est ce qu'on entend sur un piano acoustique, donc un piano à queue. C'est le bruit mécanique qu'on entend quand on appuie sur les pédales. But also the behavior of the pedal is when I push the pedal slowly. And all the way down, you can hear a nice difference in sound from short to longer, longer to really long, like it's supposed to be in an acoustic piano. Donc là, comme on voit le comportement de la touche quand on appuie en même temps sur les pédales, on voit qu'on peut avoir des sons qui sont d'une durée différente selon l'enfoncement directement avec le pied sur la pédale. Now, let's talk briefly about the string resonances and the string resonances in controlling the interaction between the notes. Donc là, on va pouvoir parler du contrôle des cordes, de la résonance des cordes et l'interaction que ces cordes-là qui sont jouées ont avec les autres qui ne sont pas jouées, donc la résonance des cordes qui sont inactives mais qui résonnent quand même. So I will play what I call a silent touch, hitting the notes without a sound coming through. Donc là, il va jouer sur ce qu'il appelle les silent touch, donc c'est des notes silencieuses, et il va juste les enfoncer pour pouvoir justement travailler sur les harmoniques et vous le montrer. Exactly. So you can hear the whole overtone series that is resonating on these strings, and of course, if I close the damper on these strings, then the resonances are also gone. And this works reciprocal. So I can do a silent touch here. And now I have the resonances on these strings. Just beautiful, like it's supposed to be in an acoustic grand piano. D'accord. Donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est que quand il met des notes qu'on appelle des notes complètement foncées, sans son, et qu'il appuie directement sur ces notes, les notes par résonance, l'étouffoir qui est justement qui est différemment positionné, pour pouvoir permettre en fait la résonance des notes qui sont jouées, mais d'une manière complètement naturelle. And the last parameter in the T2L menu of the acoustic piano is what we call the damper resonance. Donc là, le dernier paramètre du True to Life Editor, c'est le damper résonance. Donc c'est la résonance des pédales. So, what you hear is now again the resonance of the highest strings in the grand piano. Donc, ce qu'on entend, c'est la résonance des notes les plus hautes sur un piano à queue. So you see, we try to capture all these different components of the piano sound, and our T2L engine, which, by the way, is running on 48 kHz and 24-bit dynamic depth, is being able to reproduce all these components into one beautiful piano sound. Donc, ce que Ralph là vous montre, c'est qu'on a pu justement explorer chacun des points importants d'un piano à queue pour pouvoir le restituer et travailler sur ces points-là. Et bien sûr, le fait qu'il soit en 24 bits, 96 kHz, en fréquence d'échantillonnage extrêmement élevée, permet d'avoir un réalisme au-delà de ce qui se fait aujourd'hui dans les pianos numériques. And at this moment, I would like to take a moment for welcoming some of our guests of this webinar. So there is Mr. Gerson Costa. I don't know if my pronunciation is okay. So hello, thank you for being here tonight. Alors, on a un invité spécial qui s'appelle Monsieur Costa Gerson, qui est connecté. Et donc, merci d'être là ce soir avec nous. And then there is Diogo Jussa. I have no idea if my I'm sorry if my pronunciation is too German. That's the way it's going to be. So thank you for being here with us tonight. Et bien sûr, on vient d'avoir Diogo Jussa,
qui vient d'apparaître directement dans le chat. Donc, on le remercie d'être là avec nous ce soir et bienvenue au club. And I would like to continue by one more time showing you the staccato resonance in the grand piano. Donc, on aimerait continuer avec le staccato résonant sur un piano à queue. And now in the upright piano, which sounds significantly different. Et maintenant, sur un piano droit, et on peut remarquer que la résonance et le son est totalement différent. So we did all the same research for all our sounds, but then we choose the component from the upright piano for the upright, so you can hear this typical boomy. When I go back to the grand piano, is much more bright, much more brilliant. So our philosophy is to capture from each instrument the typical behavior and reproduce it with our T2L engine. Donc ce que en train de nous dire Ralph, c'est que là on peut remarquer que sur le piano droit, on va avoir un comportement qui sera complètement d'un piano complètement différent d'un piano à queue parce que Dexibel prend des vrais instruments pour pouvoir restituer les vrais comportements de l'instrument. Et donc là, il nous l'a prouvé que sur un piano droit et un piano à queue, on va avoir des comportements différents. So if I would play something with this beautiful upright sound, and again, there's no reverb, everything you hear is the pure sound and the resonance is in the upright piano. Donc, Ralph va nous jouer une jolie chanson. Et bien sûr, il va pouvoir aussi, comme sur le piano à queue, nous montrer qu'avec ce son-là, il n'y a pas de réverb, il n'y a pas d'effet. C'est le son réel du piano, sans tous ses artifices. You can also hear the dynamic is amazing, from very soft to really fortissimo. Donc on peut voir que c'est extrêmement agréable de sentir que bah, le piano est vivant dans le sens où il y a énormément de dynamique et surtout on peut avoir de pianissimo à fortissimo, on sent, on va dire, que c'est bien graduel et c'est bien restitué. In this next example, I would like to switch on some of the effects. So I told you before, there is no reverb and no EQ. So now I'm going to switch on the reverb and I can put the grand piano into a large room. Donc là, on va revenir sur un piano donc acoustique et piano à queue. Et Ralph va vous montrer maintenant le piano avec des effets comme si on était dans une grande, grande pièce, comme si on était presque dans une cathédrale. Using these two knobs, I can adjust the level of reverb and the room size. Donc avec les deux boutons rotatifs, on peut travailler sur le volume de la réverb et en même temps sur l'envergure de la salle dans laquelle on est pour la réverb. Now we are in a really big room, right? Maintenant, on est dans une grande, grande pièce. And then I can also use the equalizer. And I want to give you an example, so just changing the mid-frequency in real time. Donc là, maintenant, Ralph est passé sur un égaliseur et il va travailler sur les fréquences médium, donc le volume des fréquences médium. En temps réel. So you can hear it's really easy to adjust your sound to your personal taste in real time. And now, having done that, putting the instrument into a large room, let's get this image.
think you remember from Mr. Tchaikovsky. Yeah. This very beautiful and dynamic sound. Donc, comme il l'a expliqué Ralph, il est extrêmement facile de pouvoir utiliser donc, ces deux boutons rotatifs pour pouvoir faire les réglages. Et on sent bien que quand il joue du Tchaïkovski, eh ben là, on sent une grande dynamique et une grande, comme si on était dans une grande salle avec énormément, on va dire, de réverb. And I would like also to invite you to ask your questions. If you have any questions or suggestions, please put them into the YouTube chat. We will try to take care of that in real time. If I can't understand the question, José is going to help me and translate, so we will take care of that. But now, going back to the piano sound, I changed from the Vivo Grand to the Classical Grand, which is a little bit more soft, a little bit more mellow. Alors, Ralph nous invite, avec via le chat, de pouvoir laisser des messages si on a besoin de renseignements beaucoup plus précis. On sera en capacité de répondre de par ma présence. Je pourrais justement, si nécessaire, faire les traductions à Ralph parce qu'il a un excellent français. Mais si toutefois vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, le chat est là pour ça, pour pouvoir justement répondre à toutes vos questions. Maintenant, on va passer sur d'autres styles de piano. On va passer sur des pianos beaucoup plus clairs et d'autres qu'on appelle mélos, donc un peu plus intimistes. Much softer. Plus soft. Un peu de Chopin. Wow, bravo, Ralph. Oh, merci beaucoup. Merci. So, then in this next example, I actually pre-recorded a video where I'm using six different piano sounds. I will play same song, but with six different pianos, because now we have the Italian Grand. We have the American Grand, which is the Vivo Grand, by the way. We have the Japan Grand, which is from Japan, from, I cannot say the name, sorry for that. And we have the German Grand, which is built in Berlin. We have the upright piano. And then we have a little jewel in this instrument, which is the French Grand. And the French Grand is actually taken from the museum, and it has made in perfect condition again. And we sampled and captured all the resonance in all the resonances in all the components of the sound. And this brand is a very famous French brand. It's called Pleyel. And this particular instrument was built in 1850. This was the time of Frédéric Chopin. OK. Merci, Ralph. Alors, Ralph va nous passer un extrait avec une musique qui va jouer. Et sur cette musique qui va jouer, il va y avoir six types de pianos qui vont successivement s'enchaîner exactement avec le même morceau. Donc, on va passer d'abord par un piano italien. Donc, bien sûr, le piano italien le plus reconnu en Italie, je vous laisse deviner. Après, on va passer sur un piano on va dire américain, qui est le Vivo Grand, qui est dans le piano, comme il vous a montré au début de la session. Après, on va passer sur un piano japonais, donc il n'a pas le droit de dire le nom, mais ça commence par un Y. Par la suite, on va passer par un piano allemand qui vient directement de Berlin, et il dit donc qu'il va y avoir aussi un piano droit avec le piano allemand. Et donc, du coup, je pense que j'ai tout dit, Ralph. Et le piano romantique, j'ai failli oublier le meilleur pour nous. Le piano romantique qui a appartenu à Monsieur Chopin, datant de 1860. C'est bien ça, Ralph, je ne me trompe pas, 1860. 1850-60, je crois. On n'est pas exactement sûr. Ouais, c'est à Upsilon près. Alors, pour la petite histoire, ce piano-là a été pris directement dans un musée. Le musée où a été entreposé le piano de Chopin. Donc, Dexibel s'est procuré ce piano-là. Donc, bien sûr, réglé et tout ça. Et ils ont travaillé sur tout le comportement de ce piano-là. Donc, ils ont modélisé, ils l'ont samplé
bien sûr en 24 bits 96 kHz avec une grande précision pour pouvoir le restituer dans les pianos Dexibel. Et bien sûr, vous l'avez gratuitement dans les pianos Dexibel. Est-ce qu'il me manque encore quelque chose? Je ne crois pas. Ah, génial. OK, let's play this video. Here we go. All right, so you could listen and see the six different pianos. And of course, in the end of the day, it's a matter of taste or playing style, which sound you personally chose. And again, you can always exchange the sounds. You can download from our webpage, install into your instrument, depending on what you like and what you want to do. Donc, bien sûr, les sons que Ralph vient de vous faire écouter lors de son jeu magnifique de Chopin, bien sûr, si ces sons-là ne vous va pas par rapport au goût que vous attendez d'un piano, Ralph et moi, et même toute l'équipe Dexibel, vous convie à aller sur le site de Dexibel donc pour pouvoir télécharger le type de piano qui peut vous aller, que vous attendez, pour pouvoir le télécharger à l'intérieur du piano. Bien sûr, c'est gratuit. Vous pouvez échanger, bien sûr, hein, c'est-à-dire qu'on peut effacer certains sons que vous avez dans le Dexibel et le remplacer par d'autres sons que vous aurez choisis. So in this next example, I will use the Pop Grand, which is a part of the Vivo Grand. The Pop Grand, however, is a little bit more crisp, bright, brilliant. Alors là, il va vous montrer, Ralph, le piano qui s'appelle le Pop Grand. Donc, c'est en fait un piano à queue, mais version pop. C'est ni plus ni moins qu'en fait un Vivo piano, donc un piano américain, mais avec un son un peu plus aigu, un peu plus cristallin, peut-être des fois un peu criard, mais c'est voulu. C'est vraiment le style qui veut ça.
So much more crispy than, for example, the classical piano sound. And now I would like to layer two sounds and then three and four. I will do this in this area of the instrument. Alors, bien sûr, le pop grand, donc le piano à queue pop, est beaucoup plus aigu et beaucoup plus strident que, on va dire, un piano classique. Mais c'est vraiment le style qui veut ça. Selon ce qu'il vient de jouer, Ralph, ça va très très bien avec ce style-là. Après, juste après, Ralph va pouvoir vous montrer comment combiner deux sons à la fois. Et puis après, trois sons et enfin, quatre sons mélangés ensemble. So starting with the piano and the layered sound, I can increase the volume by using my expression pedal. Donc le premier son, ça a été un piano, et dans le deuxième son qu'on appelle couple, c'est, on a entendu derrière, on va dire, un son de synthé qu'il a déclenché avec une pédale, donc c'est une pédale de volume qui permet en fait de faire intervenir le son juste derrière et de gérer le volume par rapport au premier son. And I can always use these knobs here, for example, in this case, to tweak the filter of the synth sound. Donc on peut bien sûr utiliser les effets pour le deuxième son parce qu'il y a un registre pour le deuxième son avec les effets. Donc c'est deux boutons comme sur les premiers sons qu'on vous a montrés. Donc il y a deux boutons pour pouvoir gérer les effets. Et on voit que ben, là, il est en train de montrer sur l'écran qu'on peut justement gérer et les volumes et les fréquences et tout ce que l'on veut. And also our Vivo S9, our flagship instrument, has these beautiful motor faders here. And this is our, see if I can say this, at least in French, tableau de réglage. I hope this was correct. So here I can change the volumes. Alors là, du coup, il vous a montré directement sur le S9 qui propose sur le côté gauche en fait du piano, bien sûr le S9 qui est notre piano phare en piano stage piano, donc piano de scène. Et donc je peux informer Ralph que ça s'appelle, même en français, on appelle ça un nom générique, on appelle ça des faders. Donc, faders, all right. Yeah. Okay. Donc voilà. Donc du coup, tout le monde comprend en France que c'est des faders pour pouvoir justement gérer les volumes et d'autres choses, bien sûr. Mais là, dans ce cas présent, les volumes des instruments choisis. And the rather very cool thing is that these faders, I learned French English word, are motorized. So if I'm changing anything here, you can see the faders are jumping into the correct position. Amazing. Alors, comme il vient de vous montrer directement sur le petit écran, selon les sons que vous allez choisir, selon les réglages que vous avez au préalable fait avec le S9, vous verrez que les faders sont motorisés. Qui dit motorisé dit que selon les réglages que vous avez mis au point, il va restituer exactement les mêmes réglages à chaque fois que vous changerez de son. Ce qui donne en fait beaucoup de flexibilité lors de l'utilisation pour la scène. C'est vraiment un piano de scène dans ce cas de figure. So layering two sounds, pop grand, analog sound with the expression pedal, and then I will bring in two more. Off we go. Alors là, on va avoir deux sons. Donc bien sûr, un pop piano à queue avec une nappe de synthé. Et déjà deux sons, il va me montrer avec la pédale d'expression, donc c'est une sorte de pédale de volume, pour pouvoir justement faire ressortir le deuxième son. Et après, il va pouvoir rajouter les deux autres sons supplémentaires. Thank you.
magnifique. Merci beaucoup. And you see and you hear, it's all in real time. The instrument is very intuitive to be operated and I can change everything just like I like. Donc, comme il vient de vous montrer là, Ralph, tous ces changements se sont faits en temps réel. C'est-à-dire qu'il a pu échanger le nombre de sons qu'il a pu mettre, ajouter et même enlever selon les parties. Et puis même au niveau des effets, on peut tout faire ça en temps réel. Now in this patch I created, because of course I can also save all my settings into the user memory area, I put four sounds, three on the left, one on the right. Donc là, bien sûr, les sons que vous allez entendre, ce sont des sons, même que vous avez entendus, ce sont des sons qu'il a créés. Et ce qui veut dire par là, ça veut dire que tous les sons que vous changez, que ce soit au niveau des effets, au niveau des volumes, au niveau de tout ce que vous voulez, bien sûr, vous pouvez les intégrer, vous pouvez les enregistrer dans l'appareil. Et là, il y aura trois sons sur la partie de gauche et un son sur la partie de droite. Starting with the sound on the right, I'm using the Vivo Upright, but this time with a filter and a triple tap delay effect. Alors, sur la partie de droite, ça va être un piano, donc le Vivo piano droit, avec un filtre sur le premier effet, et sur le deuxième, c'est une sorte de delay. Un delay, with three different times. Avec trois temps différents sur le delay. And on the left side, layering of Italian grand, slow analog, and synth. And again, you could see and hear every change is in real time. I could use the filters. I can dive back and forth, blending in of the sounds with the expression pedal. Just beautiful. Donc bien sûr, pendant qu'il joue, on peut travailler sur en temps réel sur les effets, sur le nombre de sons que l'on veut jouer en même temps. Tout est super flexible pendant que vous jouez votre morceau. Vous pouvez carrément tout changer. Then, because our philosophy when we created these instruments and the sounds for those instruments is always make the sound right in the original, the correct tuning, the correct hammers, everything, and then we capture. So in this next example, we try to do the typical American ragtime, which essentially is a piano that is out of tune. And this is not some kind of upright sound with a chorus. It's really, we ask the piano technician, now please put the piano out of tune so we get that typical out of tune sound, which we call a ragtime piano. Alors, bien sûr, la philosophie, notre philosophie chez Dexibel, c'est de pouvoir se rapprocher au maximum de la réalité concernant les instruments choisis. Ce qui veut dire que ça soit dans l'ADN de l'instrument et que ça soit dans le comportement de l'instrument, le but étant, c'est de reproduire avec l'instrument dans nos studios pour pouvoir les mettre dans les décibels. Donc dans ce cas de figure-là, le ragtime piano, ce n'est pas en fait un piano avec un chorus comme effet pour pouvoir créer en fait un ragtime piano, c'est vraiment en fait un piano qui a été choisi et qui a été avec un technicien détuné de telle sorte à pouvoir retrouver comme les pianos de saloon exactement le même son. Mais c'est à partir d'un vrai piano.
Of course, in some places I have played many years ago, the piano sounded already like that. But that's not what I'm talking about, right? So we really try to do the... the real out-of-tune ragtime piano. Donc, bien sûr, à une époque, Ralph devait jouer la lettre à Elise avec, on va dire, un ragtime piano. Mais aujourd'hui, bon, il peut vraiment jouer comme les morceaux de Saloud avec un vrai ragtime pour pouvoir justement exprimer ce qu'est cet instrument-là avec le style qui va bien. Right. So, again, I would like to invite you to ask your questions. If you have any questions, please let us know. We are very, very happy to answer. If you have any suggestions, please let us know. We are very happy for that. Other than that, the next example I would like to give is kind of a preview of our next webinar session where we take care of the electric pianos. Alors bien sûr, Ralph et moi-même vous invitons à utiliser bien sûr le chat pour nous poser des questions, pour vos suggestions, vos remarques. Le chat est là pour ça, pour pouvoir justement communiquer, interagir. Et bien sûr, Ralph et moi-même se ferons un plaisir en fait, de pouvoir répondre à vos questions. Et je me ferai aussi un plaisir justement de pouvoir vous y aider au maximum en français. Et le prochain thème que Ralph va pouvoir mettre en avant, c'est en ce qui concerne les pianos électriques. So in this example, I put the famous FM piano sound layered with a synth sound that I bring in with the expression pedal. Donc là, l'exemple, c'est sur un son qui s'appelle le FM piano, en premier lieu, hein, bien sûr, en main piano, donc en piano principal, hein, c'est un piano électrique. Et derrière, en fond, dans le deuxième son, il va utiliser, avec la pédale d'expression, un autre son, comme une sorte de nappe, qui va justement ressurgir. And I would like to mention one very important and beautiful feature that is possible because the power and quality of our sound engine, and this is what we call seamless patch change. Alors, bien sûr, dans les caractéristiques de Dexibel, et il y en a beaucoup concernant, on va dire, le moteur du Dexibel, on va pouvoir, lors de changement, parce qu'on peut changer de son, autre que ce qui a marqué directement dans les quatre sons, c'est-à-dire qu'on peut changer complètement de famille. Et quand il est en train de jouer, s'il change de son, il n'y a pas de coupure. Ça veut dire que c'est une technologie sans coupure. Lorsque vous jouez, par exemple, sur scène, si vous devez changer, on va dire, de chanson, il n'y a pas de coupure. Et du coup, vous pouvez jouer sur un deuxième son sans que le premier son soit coupé. Et c'est vraiment la technologie qui veut ça et le moteur qui veut ça. So let me give you an example. I'm using this sound, changing the sound now, and you see there's I'm holding with my pedal, but there's no cut. Changing back, and you still hear the piano in the low end. Changing back. So that's very, very powerful because there is no cut in sound and no cut in the reverb tail. Alors, ce qui est fou dans ce que vient nous montrer Ralph, c'est qu'il a fait plusieurs changements lors de son petit extrait. C'est-à-dire que du premier son, il est passé sur un autre son complètement, donc sur un autre registre, et il a gardé la pédale de sustain de telle sorte à ce que le premier son continue tout en jouant sur le deuxième son, c'est-à-dire que les deux sons se sont mélangés alors qu'ils ne font pas partie de la même famille. Il est revenu sur le premier son pour pouvoir accentuer l'accord et il est parti sur encore un autre son qui n'avait rien à voir et tout a été entremêlé, aucune coupure ne s'est effectuée. And at this moment, I would like to invite all of you to join my Facebook group, which is called Ralph Plays Dexibel.
Donc, Ralph lui-même vous invite à le rejoindre sur son Facebook qui s'appelle Ralph Plays Decibel. Voilà. And in this group, we will, of course, again, answer your questions, take care of, as a community, take care of questions of everybody, put suggestions, maybe sometimes feature requests, etc., etc. It's a very, very, very nice thing that we can stay in touch. The atmosphere is very friendly, and we already have people from around the world in this group, even from Japan and from Korea, of course, from US, from Europe, different countries, etc. And we stay in one community and we stay connected. So please send me an invitation request on Facebook to Ralph Plays Decibel, and I will let you in. Alors, ce que vous invite à faire Ralph, c'est de pouvoir participer lors de vos questionnements, justement, à son Facebook pour pouvoir laisser des suggestions, des questions. Bien sûr, on a une communauté, donc agrandir la communauté de telle sorte à interagir entre nous. Bien sûr, dans ce Facebook-là, il n'y a pas que les Français, il y a les Japonais, enfin, c'est all over the world, donc c'est tout autour du monde. Et bien sûr, le but étant de pouvoir interchanger et de pouvoir trouver des solutions et augmenter, on va dire, les compétences de notre jeu avec ces claviers. Bon. I just see there is a question from Antoine. I think I even understand the question, but probably yes. Better you help me a little. Antoine, hello, Antoine Makota. Antoine have a G7 and he love it. And thank he you. Have. Viens voir que vous avez utilisé désactiver le son main en gardant le son couple. Comment faites-vous pour activer cette possibilité? Je viens de voir que vous pouvez utiliser désactiver le son main en gardant le son couple. He said that you can use main and couple and just change to main and couple. And he want to know how you do that and how to change to another sound without cuts. Okay, let me show this to you. I will go because I have no JC7 in front of me. So I just want to load a picture here of the J7. And let me see if this is visible enough here. Let's increase the size of the picture. Okay. So Antoine, what you have to do for using only coupled and not main in the J7 is a little bit different at this moment than in the S9 or in the S7. So what you need to do, you will go here in this area, and there is a mute button. So if you are layering main and coupled, and you just want to play with coupled, you can use this mute button. And then you will be just playing with coupled and not with main. This is a kind of a little workaround that we are using in the J7 for this moment. And I hope this could help. Thank you, Antoine, for your question. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, Antoine. And Antoine already said he understood. That's nice. So that's perfect. Again, merci beaucoup. Mm-hmm. And I think we will go into the closing tune using this example with the electric piano, seamless patch change to acoustic piano, back and forth. Before that, I want to take the opportunity one more time to thank José for his excellent work and that excellent translation he's doing in real time. Merci beaucoup, José. Merci beaucoup à toi. J'espère que d'avoir fait mon mieux. Antoine, merci pour ta question. Je connais moins bien que Ralph le J7 et je pense que ta demande a été beaucoup mieux que tu le dises en anglais parce que du coup, j'ai eu du mal à situer. Mais Antoine, Ralph a très bien compris. Merci pour ton intervention. On en aimerait beaucoup, beaucoup des comme ça pour pouvoir vous aider. Et merci à Ralph de,
de me présenter à vous et j'espère que la communauté, en tout cas en France, va grandir et qu'on puisse justement faire de ces instruments quelque chose de magnifique. And at this moment, I think José and myself, we will say au revoir, bonne soirée. Au revoir et bonne soirée à tous. Et à bientôt, le prochain, let me try this in French, le prochain Academia Decibel webinar va être, septembre le 23 à 19h, Central European Time. I have no idea what that's in French. So I hope it was okay to say this in French. Bah, c'est parfait. On dit juste le 23 septembre, mais sinon, tout est parfait. Bravo, Ralph. Impeccable. OK. D'accord. Alors, bonne soirée, au revoir et à très bientôt. Bye. Bye. Merci à vous tous.